www.casarema.fr. Il y a certaines souffrances dans nos vies. Et personne ne vous trompe. Il y a certaines souffrances dans nos vies. Ça doit venir. Et c'est comment? Pourquoi? Pour la Lili. Parce que ces souffrances-là, ça te place. Et à la porte de la gloire. Il y a des gens qui sont en France. Et en France. Qui ne sont pas dans le lieu prévu par Dieu. Jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Ils ne vont pas travailler. Ils n'auront jamais de documents. Ils ne seront jamais heureux dans leur vie. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas le lieu. Et ça, c'est d'autres vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Comme les esprits sont disposés, on peut bien écouter la parole. Parce que n'oubliez jamais qu'il y a des esprits qui s'élèvent, les esprits mauvais, pendant la parole qu'on prêche. Pour vous empêcher de comprendre. Ezali na milimo mabe oye telemaka na tango liloba na Nzambe ete yamaka pona kopekisa bino ete bososola yango malamu. Donc si ton esprit n'est pas disposé à écouter la parole, soki molimo na yo abongisa mite pona koyoka liloba na Nzambe, les esprits mauvais là vont t'envoûter. Milimo mabe wana bakoloka yo. Et tu ne pourras pas comprendre la parole prêchée. Pe okokate kososola malamu liloba oyo ete yami. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Prenons la parole. Tozui Iloba Nanzambe. Un roi. Mukanda Yabakondi Yadiboso. Chapitre 1. Chapitre P. Yadiboso. Du 1er au 34e verset. Yadiboso Kino na 34e. Le roi David était vieux. Mon conduit David si akomakimpaka. Avancé en âge. Mbula na yepe esie pusanaki. On le couvrait de vêtements. Babandaki kosifaye bilamba. Et il ne pouvait se réchauffer. Akokaki lisusute na ko yetula sotunzo tona yekoma susu moto. Sautons, prenons le verset 5. Dosu verset 5. Adonija, fils de Agi. Adonija, mon amobali ya Agit. Se laissa emporter par l'orgueil. Amitika ki komi mama na lolendo. Jusqu'à dire. Kino eti aloba ete. C'est moi qui serai roi. Ngaïnde na kozala komu tongo konzi. Et il se procura un char. Pe ayebaki na kosomba likalo moko ya bituka. Et des cavaliers. Pe ba cavaliers. Et 50 hommes. Pe mamibali toko mitano. Qui couraient devant lui. Ba ibabanda iko kima liboso na ye. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche. Na bomoyi ya tata na ye ayebaki na kotelemela ye te. Donc, c'est-à-dire son père ne lui avait jamais fait un reproche. Tata na ye atikala ki ko reproché yete na bomona ye. Prenons le verset 7. Tozu verset 7. Il y eut un entretien avec Joab. Ayebaki na kosolola na muto babengi na kombwa Joab. C'est-à-dire Adonija eut un entretien avec Joab. Adonija asololi na Joab. Et avec le sacrificateur Abiathar. Et ils embrassèrent son parti. Verset 9. Adonija tua des brebis. Adonija ebaki na koboma bameme. Des bœufs et des veaux gras. Bangombe ya mibali pe bana bangombe ya mafuta. Verset 10. Mais il n'invita point Nathan le prophète. Pe ayebaki te na kobengisa Nata Musakoli. Ni Benaja. Ata Benaja. Ni Levaya Om. Ata Bamibali Yamakasi. Ni Salomon. Ata Salomon. Verset 11. Alors Naboye. Nathan dit à Bathsheba.
Nathan ayebisaki Bathsheba, mère de Salomon. Mama ya Salomon. N'as-tu pas appris qu'Adonija, fils de Agi, est devenu roi? Yo oyo kiteke Adonija mwana ya Agi akomi mokonzi. Verset 12. Verset 12. Viens donc maintenant. Yaka sikoyo. Je te donnerai un conseil. Na kopesa yo toli. Là c'est Nathan qui parle. Maloba oyo ezali ya mosakoli Nathan. Il est en train de s'adresser à la mère de Salomon. Azolobela mama ya Salomon. Viens donc maintenant. Yaka sika sikoyo. Je te donnerai un conseil. Na kopesa yo toli moko. Afin que Pwete, tu sauves ta vie. Obiki sabomo inayo. Et la vie de ton fils Salomon. Pe bomo ya mwana na mobali Salomon. Va chez le roi David. Kende epa ya nkumu Dawidi. Et dis-lui. Pe yebisa ye. On saute. To saute. Verset 15. Verset 15. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Bathsheba akendaki na chambre ya mokonzi. Et il est donc le roi. Le roi était très vieux. Mokonzi si akomaki mpaka makasi. Verset 17. 17. Elle lui répondit. Pe ayana lwaki ete. Mon seigneur. Kolo na ngai. Tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu en disant. Olapaki ndai epai ya mosena na yo ya mwasi na kombo ya Nzambe na koloba ete. Salomon ton fils régnera après toi. Salomon mwana na mobali yenda kokonza na sima na yo. 18. Et maintenant voici Adonija règne. Pe tala sika Adonija yenda zokonza. 22. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi. Kaka na tango azalaki koloba nanu na mokonzi. Voici Nathan le prophète arriva. Tala Nathan mosakoli pe akomaki. Verset 27. C'est, là c'est Nathan qui parle au roi. Ah ouais, maloba, oui, est-ce bien Nathan. Par ordre de mon seigneur le roi que cette chose a lieu? Est-ce que ezali na ndingisa ya nkolo na ngai mokonzi ete likambo o esalemi? 28. Le roi David répondit. Mokonzi David ayanoli. Appelez-moi Bathsheba. Bobengela ngai Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Ayebaki na kokota pe atelemaki liboso ya nkomo. 32. Le roi David dit. Mokonzi David alobaki. Appelez-moi le sacrificateur Tchadok. Obengela ngai nganga Nzambe Tchadok. Nathan le prophète. Nathan pe mosakoli. Et Benaja. Pe Benaja. Et le roi leur dit. Pe mokonzi ayebisaki bango. Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Bozwa elongo na bino basali ya mibali ya mokonzi na bino. Faites monter Salomon mon fils. Omatisa Salomon mwana na ngai mobali. Sur ma mule. Likolo ya evandelo na ngai. Likolo na evandeli na ngai. Et fais-le descendre à Guion. Pe bokitisa ye na Guion. Là le sacrificateur Tchadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Kuna nganga Nzambe Tchadok pe Nathan bakopakole mafuta ya bokondi pona Israël. Merci Seigneur. Matondi Nkolo. Tu nous as conduits dans ta maison ce matin. Okambi biso nanda konona tongo ye. Car c'est une grâce d'être dans la maison de Dieu. Pwete ezali ngolo kokutana na kati nanda kwa Nzambe. Car cette joie est notre comme la joie de David. Pwete esengo oyo ezali lokola esengo ya Dawidi. Qui disait Wabanai koloba ete. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Nazali na kati na sayi soki balobi nanga ete tokenda na ko na Nzambe. Enseigne-nous ce matin. Tangisa biso na tongo ye. Par le Saint-Esprit. En sortant de ce lieu, que ce peuple puisse sortir édifié et que toute la gloire te revienne à toi le Seigneur pour des siècles et des siècles au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, parce que acclamons pour Jésus. Beti maboko milolo pona Yesu. Acclame pour Jésus. Beta maboko pona Yesu.
Merci, mettez-vous. Matson Dibovanda. Nous sommes en train de continuer. Tozali na kokoba. Sur notre thème intitulé. Likolo ya mama na likamunabi suza na kombo yete. Le lieu. Bisika. Le temps. Ngonga. Et l'homme canal. Pe moto o wapi azali nzela wapi likamwango iko salima. Il y a trois choses. Biloko ezali misatu. Le lieu. Bisika nanu ya liboso. Le temps. Ngonga. Et puis l'homme canal. Pe moto o azali nzela. Ces trois choses. Biloko misatu. Sont très importantes. Ezali na moto ya makasi. Pour l'accomplissement d'une promesse dans la vie de quelqu'un. Si ces trois choses ne se retrouvent pas dans ta vie, il te sera difficile de vivre l'accomplissement d'une promesse. Le lieu. On en a parlé la fois passée. Et le temps. Mais je vais vous donner une idée, ceux qui sont venus qu'aujourd'hui. Quand Dieu fait une promesse. Si Dieu te donne une promesse dans ta vie. Non, ma fille, tu seras ceci dans la vie. Tu auras un bon mariage. Tu vas vivre à l'étranger. Tu vas beaucoup étudier. Mon garçon, tu seras président de la République. Ma fille, tu seras député. Tu seras sénateur dans ta vie. Tu seras prédicateur de la parole. Tu seras un grand commerçant. Si Dieu te donne une promesse comme ça, sache-le que dans cette promesse, il se cache trois choses. Il y a le lieu pour que cette promesse-là s'accomplisse. Il y a le temps fixé par Dieu pour que cette promesse-là s'accomplisse. Et il y a l'homme canal par qui tu dois passer. Ces trois choses réunies, c'est là que tu peux vivre l'accomplissement d'une promesse. Si l'une de ces choses fait défaut, ça sera compliqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Regardez Jésus-Christ. Botala Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Moi, na mobali ali kina nzambe. Si je peux, si m'arrivait d'oublier, vous allez me rappeler que je dois vous enseigner sur prochainement Jésus-Christ ou bien Jésus quatre fois Fils. Ce qui est comme été Nabosana et Sengilibo rappelé Naï pour être Nabi Abinolikoya. Qui sont tout autour de moi, rappelez-moi. Je dois apprendre, enseigner à l'église comment Jésus est quatre fois fils. Nakota Isa Ekelesia, Lolenge Nini, Lolenge Kani, Yesu Abengami Mbalamine, moi Namobali. Est-ce que vous me comprenez? Ok, comme c'est monté à l'esprit, on va programmer, on va vous enseigner. Vous devez connaître Jésus. Le peuple doit connaître Jésus. Si vous marchez avec moi, vous devez connaître Jésus. Parce que moi, je ne connais que Jésus. Je ne vous parlerai que de Jésus. Parce qu'il est mort pour moi. Parce qu'il a changé ma vie. C'est lui qui m'a appelé. Yende a benganga. Et c'est lui qui est chaque jour avec moi. Et je le connais. Et je ne vous parlerai que de la personne que je connais. Amen, amen. Amen.
Alors Jésus le fils de Dieu, quand il était sur la terre comme un homme, il savait qu'il va mourir un jour. Il savait que comme il était venu sur la terre, il était venu pour mourir. Et il savait où il devrait mourir. Il connaissait le lieu. Et il connaissait le temps. Il connaissait l'homme par qui ces choses se feront. Est-ce que vous me comprenez? Jésus le savait. Regardez un jour dans sa vie. Il dit à ses disciples, il dit, le prince de ce monde est en train de venir. C'est-à-dire parler de Satan. Il dit, il est en train de venir. Allons. Tokende. Donc Jésus est parti. Yesu akendaki. Pourquoi? Pour nini? Ce n'était pas encore le temps d'affronter Satan. Pwete ngonga yakobunana Satana ekokagina note. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si vous lisez l'évangile, vous allez voir, la parole dit ceci, que Jésus avait dit quelque chose. Les Juifs étaient irrités. Ils voulaient arrêter Jésus pour le tuer. Mais Jésus s'échappa. Et il était parti. Pourquoi? Parce que le temps Ngonga n'était pas encore arrivé. C'est écrit comme ça. Le temps n'était pas encore arrivé. Jésus, lui, il savait le lieu, le temps et l'homme. Yes, ye ayebaki bisika ngonga pe moto. Mais aujourd'hui, nous, kasi lelo biso, on ne connaît pas souvent le lieu. Mingi toyebaka te bisika. On ne connaît pas le temps. Mingi toyebaka pe ngonga te. On ne connaît pas l'homme canal. Toyebaka pe moto nanzela wapi likamwango osali. On ne connaît pas. Toyebaka te. C'est pourquoi beaucoup de gens, Nayango tina wapi ebela bato, dans nos églises, na kati na bekeleza na biso, beaucoup de gens qui se disent des chrétiens, ebele ya bato ba bibengaka ete ba Christo, ils n'ont pas la foi. Bazala kana kondimate. C'est parce que ils ne savent pas d'où ils vont. Pwete ba yeba kate wapi nde bazo kendaka. Or, nzo kande, la foi kondima, c'est marcher sans connaître où tu vas. Ezali kotambola ozangi koyeba bipai wapi ozokende. Abraham est sorti de son pays, de la maison de son père. Abraham abimana mboka na ye na ndako ya tata na ye. Dieu lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. Nzamba talisa ete kenda na bimboka onga na kotalisa yo. Mais Abraham ne connaissait pas le pays. Mais Abraham ayeba kete mboka nini. Il est sorti abimana ye. Il est parti comme ça pe akendaka bongo sans savoir azangi koyeba où il allait wapi abana okende. Mais toi, ton problème c'est quoi? Si Dieu te dit sors, va, tu vas commencer à poser des questions à Dieu. Je vais où? Non, toi sors seulement, va. Celui qui t'a dit sors, va, en cours de route, lui maintenant prendra soin de toi, il va commencer à te guider. Mais toi, tu veux connaître le où, là où tu es. Non, la foi, quand tu entends et tu fais, c'est tout. Tu obéis, c'est tout. Et c'est lui. Celui qui a la foi ne se pose pas de questions. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Comment ça va se faire? Quand est-ce que ça va se faire? Qui va le faire? Non, ça se réserve à Dieu. Jésus sur la terre, il savait le lieu de sa mort et le temps de sa mort et la personne par qui cette mort viendra.
moto nanzela wapi liwa wana ekoyela. Jésus le savait. Yesu ayebaki yango. C'est pourquoi na yango, quand la mort, le temps de sa mort s'approchait, na tango mikolo ya liwana yebana iko pusana. Quand le temps de sa mort s'approchait, tango, suivez-moi très bien, ya kufa na yebana iko pusana. Jésus était en dehors de Jérusalem. Yesu azalaki libanda ya mboka Jérusalem. Il était en dehors de Jérusalem. Azalaki na libanda ya mboka Jérusalem. Mais le lieu de sa mort, c'était à Jérusalem. Ezalaki na Jérusalem. Mais comme il se trouvait en dehors de Jérusalem, kasi lokola esalamaki ete amikoti libanda ya Jérusalem, et que le temps de sa mort s'approchait, ete tango pe ya liwana ye ebanda kokusana, il a dit à ses disciples, ayebisaki bayekoli na ye, allons à Jérusalem. Tokende na Jérusalem. Donc le lieu, esika, là, kunande, le fils de l'homme, mwana moto, sera arrêté, akokangama, livré aux mains des païens. Ils vont se moquer de lui. Ils vont le tuer. Et le troisième jour, il va ressusciter. Là, il leur dit, ils étaient dans une autre ville. Il dit, allons à Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem? C'est parce que c'est le lieu de sa mort. Ils ont quitté, je crois, Bethanie. Et ils venaient à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, il est entré dans le temple. Il a chassé les hommes. Et la nuit, il était parti prier à Gethsemane. Et à Gethsemane, pendant qu'il priait, il sentait que c'était le temps où il devrait mourir. Il se retrouvait d'abord dans le lieu. Le lieu, c'était Jérusalem. Maintenant, il fallait attendre le temps fixé. Et comme le temps fixé s'est approché, il est entré, il est parti prier. La nuit, pendant qu'il priait, comme c'est la mort qui venait, il a prié, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe, mais pas ma volonté, que ta volonté se fasse. Pourquoi il a fait cette prière? Pourquoi à la fin il a dit que ta volonté se fasse? C'est parce qu'il savait que la volonté du Père était que lui puisse mourir. Il ne pouvait pas s'échapper de cette volonté-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si Dieu a une volonté, si Dieu a une volonté de faire quelque chose, il le fera. Quelle que soit les prières que tu peux faire, quelle que soit l'opposition des hommes, quelle que soit l'opposition de Satan, c'est que Dieu décide dans sa volonté, il le fait, il le fera. Et c'est vous me comprenez? Alors Jésus, pendant qu'il priait, l'homme canal, moto, owapi, azalinzela, par qui la mort devrait venir, et pas na yowapi, liwa esengela ki yela, qui était Judas, wazalaki Judasi, il est venu ayaki avec le groupe de gens. Na engulupa ya bato. Ils sont venus là où Jésus s'est retrouvé dans le jardin. Bakenda ki bipa Yesu amikotaki na kete langa. Écoutez ce que Jésus dira à ces gens-là. Il dit, vous êtes venus avec des bâtons pour m'arrêter comme si j'étais un voleur. Et pourtant, j'étais chaque jour au milieu de vous. Écoute maintenant ce qu'il ajoute. C'est votre heure.
ezali l'air na bino. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est-à-dire c'est votre temps d'agir. Et l'union va être ngonga na bino bosala yango yo. Jésus avait compris. Yes, ça c'est cela qui était. Que c'était le temps pour sa mort. Était essayé comme qui tango pour na kufa na ye. Il ne pouvait plus s'en échapper. Akoka ki Jesus na kokimate. Comme il s'est retrouvé dans le lieu, lokola amikuta ki na esika, qui est Jérusalem. Oyo ezali na no. On l'a arrêté. Bakanga ki ye. Cette nuit là. Na boti yango. On l'a amené. Ba mima ki ye. Chez Anne. Et pas ya Anne. Et puis chez Caïphe. Et pas Caïphe. Et puis chez Pilate. Et pas Pilate. Et la quatrième personne chez Hérode. De moto ya mine Hérode. Donc une même nuit. Boto moko kaka. Il a été entendu. Par, jugé par quatre personnes. Ba yoka kie, ba sambisa kie, et pas abatomine. Très important. Ezali motu ya makasi. Ne croyez pas que c'était un hasard. Boka nisate ke ezali pasa abatomine. Le jugement de cette nuit là. Bo sambisa mi ya butu oyo. Par quatre personnes. Et pas abatomine. C'était l'accomplissement de la prophétie. Ezalaki bokokisami ya lisakoli. Une prophétie lisakoli qui se retrouve dans le texte de Exode. Oui, écoutami na mokanda ya Exode. Les jours où on va vous parler mokolo bakolo to vila bino de la rédemption. Ya lisiko. Les jours où on va vous enseigner sur la rédemption. Mokolo tokolo vila bino likolo ya lisiko. On va vous interpréter, vous expliquer toutes ces choses. Tokolimbo la bino makambo onyonso. Parce que si je les explique maintenant, pote soki na limbo yango sika. Les jours où je veux parler de la rédemption, mokolo na koloba na tina lisiko. Je vais interpréter quoi? Na ko interpréter nini? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je dois vous parler sur la rédemption. Na kolobe la bino likolo ya lisiko. Je dois vous parler sur l'élection. Nakolobe la bino likolo ya boponami. Sur la prédestination. Likolo ya ba o ba bongisama. Sur la justification. Likolo ya justification. Ba o ba longisama. Sur quoi encore? Sur beaucoup de choses. Likolo ya ebele ma ya makambo. Alors Jésus. Naboye Yesu. Est passé par le jugement de quatre personnes. À l'état qui n'a pas mis le bâtonine. Et à la fin des comptes. Penasima makambo. Pilate a déclaré. Pilate a tatola kete. Et que je ne trouve dans cet homme aucun péché. Et na kat na motoyo na koti le somo mokote. Il n'y a pas de crime en lui. Kat na yembe ba ezalite. Mais prenez-le. Kasi bozoye. Et tuez-le vous-même. Bobo maye binomoko. Ils l'ont pris le matin maintenant. Bazoa kiye na tongo sikoyo. Ils sont partis à la montagne. Bakenda ki na ngomba. Le deuxième lieu. Isika ya mibale. Pour sa mort. Pona kufa na ye. C'était à la montagne. Ezala ki likolo ngomba. On l'a amené à la montagne. Ba mema ki kuna na ngomba. C'est là où il fit Dieu. Kunande abomana ki. Baboma ki. Au temps fixé. Na ngonga we katamaki. Il était mort. Akufa ki. On l'a fait monter à la croix à midi. Ba mema ki ye ba matete ba matisa ki na ikulusu na ngonga midi. Et c'est vers 15h 16h où il était mort. Pe na bangonga po kwa 15h 16h nda yebaki na ukufa. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc pour Jésus-Christ, pour na Jésus-Christ, le lieu isika de sa mort ya kufa na ye, c'était Jérusalem. Ezala ki ngomba Jérusalem. Et le temps pe ngonga a été accompli. Et ko kisamba ki fe? Et l'homme pe moto. C'était Judas. Ezalaki Judasi. Ici Judas agissait dans le mal. Awa Judas, abanai kosala musala na kat na mabe. Le travail de Judas était un travail dans le mal. Musala ya Judasi ezali na kat na mabende. Mais ce mal là, kasi mabe oyo, c'était bénéfique pour Jésus. Ezalaki na litomba pona Yesu. Et ce mal de Judas, pe mabe oyo Judasi, c'était bénéfique pour nous. Ezalaki pe litomba pona biso. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si Judas n'avait pas vendu Jésus, Soko Judas mokolona ta kaka Yesu te, tu ne serais pas sauvé. Mbele obik samate. Donc je vais dire à un frère, à une sœur. Na lingina lo banandeko, moi si mobali mokete. Il y a d'autres personnes qui seront à tes côtés dans la vie. Ezana batu mususu na bomo na yo. Ils vont se retrouver à tes côtés. Ba mikuba okomikuta pemeni zinga zinga na yo. Mais les rôles, kasi mosala na bango, c'est de te faire du mal. Mais ce mal là va te permettre à vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Vivre nzambe. Ne crois pas que dans la vie que tu seras toujours entouré de gens de bien. Non. Non. Il y a
Il y aura des gens de la race de Judas. Bato ya lokola Judas bakozala kape. Si Dieu le met à tes côtés, Dieu le sait. Mais pourvu qu'il soit un homme canal, le temps Ngonga. On vient de prendre l'exemple du lieu et du temps et de l'homme canal pour Jésus. Prenons maintenant l'histoire que nous venons de lire. Il s'agit de Salomon. Awa ezali likambo ya Salomon. David, le papa de Salomon. Dawidi tata ya Salomon. Il était devenu vieux. Si akoma kimpaka. Mais avant sa vieillesse, kasi yambo ete ya nuna. Il avait dit à sa femme Bathsheba. Ayebisaka na mwasi na ye Bathsheba. David avait plusieurs femmes. Dawidi azalaka na basi ebele. L'une de ses femmes s'appelait Bathsheba. Moko ya basi na ye komona ezalaki Bathsheba. Vous connaissez Bathsheba, non? Vous la connaissez? C'est la femme d'un certain soldat de David, non? Ok. Les soldats là s'appelaient comment? Ah, très bien. Alors Bathsheba Oyo avait donné à David un fils s'appelait Salomon. A botela ki David mwana mobali moko na komba Salomon. Et d'autres fils encore. Pe bana mibali mususu. Un jour, Mokolomoko, David va promettre, fera une promesse à Bathsheba sa femme. David asali elaka na Bathsheba mwasi na ye. Pour lui dire, pona koloba na yete, que c'est ton fils Salomon, mwana na yo mobali oyo Salomon, qui régnera après moi. Yenda kweba kokonda na sima na nga. En fait, David a fait cette promesse là. David asala ki elaka oyo. C'est venu de Dieu. Parce que Dieu avait choisi Salomon. Et c'est vous me comprenez? Amen. Dieu avait d'abord choisi Salomon parmi les fils de David. C'est pourquoi David lui maintenant va faire cette promesse là à Bathsheba, la maman de Salomon. Sinawa puis David y est à Kosala et la Kawana et pas ya Bathsheba, maman ya Salomon. David était à Jérusalem. David était à Jérusalem. Parce que c'était la capitale d'Israël à ce temps-là. Capitale, il y a Israël dans Tangwana. Mais aujourd'hui, il y a trop de problèmes. Mais ce n'est même plus Jérusalem n'est même plus la capitale aujourd'hui. Le lot Jérusalem, Israël sous capitale était. Hein? Aujourd'hui, ce n'est même plus Jérusalem. Le lot Israël sous Jérusalem était. C'était Tel Aviv. Israël était Tel Aviv. Mais Tel Aviv n'a jamais été dans la pensée de Dieu. Car c'était la vive et tikala ko zalate na libanzo nzambe. Que c'est la capitale. Et yangonde ezali capitale. Pour Dieu. Pour nzambe. La capitale. Capitale. D'Israël. Ya Israël. Reste. Et tikali. Et restera. Pe ko tikala. Et sera. Pe ko zala. Jérusalem. Jérusalem. Qu'on le veuille ou pas. Balinga baboya yango. Un jour, Mokolomoko, les choses Makambo reviendront à Jérusalem. Et Kozonga na Jérusalem. C'est Jérusalem qui sera la capitale. Jérusalem yangonde kozala avant capitale. La venue du grand roi. Yambo boye yambo konzi monene. Avant la venue du véritable David. Yambo bozongi ya véritable David. Qui est Jésus-Christ? Wazali Yesu Kristo. Avant qu'il ne revienne. Yambo ete ya zonga. Pour régner. Pweta konza. Pendant mille ans sur la terre. Nakati na bambula koto moko na mabele. Avant cela. Yambo ete salima. Il faut d'abord que Jérusalem redevient la capitale d'Israël. Et Sengeli Jérusalem ezonge la cause la capitale ya Israël. Parce que c'est là. C'est le lieu choisi par Dieu pour que le grand roi Jésus puisse régner. Que les musulmans le veuillent ou pas. Que les Palestiniens le veuillent ou pas. Ça finira par être la capitale d'Israël. Comment ça va se faire? Quand est-ce que ça va se faire? Dieu seul sait. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors David Naboye avait promis à sa femme Bathsheba que ton fils Salomon, et moi, non, mobali Salomon va régner après moi. Suivez-moi très bien. Quand David est devenu trop vieux, il restait dans la chambre.
Il ne sortait plus. À cause de son âge. Alors, l'un des fils de David. Moko ya bana mibali ya Dawidi. Appelé Adonija. Na kombo ya Adonija. La parole dit que cet Adonija là. Liloba elobi ete Adonija oyo. Pendant toute sa vie. Na kat na bomo na ye mobimba. Quand il grandissait comme jeune homme. Na bokoli na ye lokola mwana. Son père David. Tata na ye Dawidi. Ne lui avait jamais fait de reproches. Atika la kozoye na likambo moko amabete. Mais dans le cœur, dans le cœur, se cachait l'orgueil, la jalousie, l'envie. Dans le cœur, c'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Quelqu'un peut te donner une bonne apparence. C'est un frère. Une soeur. Tu vois l'apparence. Mais Dieu lui voit le cœur. David, dans sa vie, il voyait l'apparence d'Adonija. Mais Dieu lui, il voyait le cœur d'Adonija. Que c'était rempli de l'orgueil. Mais au temps fixé, l'orgueil d'Adonija, l'olendo Adonija oyo, s'est manifesté. Et bimaki libanda. Il y a des gens. Et en abato, tu peux être 20 ans avec lui. Oko sala 20 ans. Naye, 10 ans, 15 ans. Bamboula zomi na mitano. 5 ans. Bamboula mitano. Tu ne lui feras pas de reproches. Oko tika la komoni na likambo mabete. Mais cela ne veut pas dire. Das elingite ko lobaya. Que c'est quelqu'un de bien. Atata mutu malamu. Il faut attendre les événements. Et sengeli bozi la makambo. Il faut attendre le temps fixé. Et c'est ni causer la paix tango oye katamaki. Je vous dis la vérité. Naibi sibino solo. Si Dieu t'ouvrait le cœur de tout un chacun qui est près de toi. Soki nzambe akoko fongololo motema ya mutu nyonso azali zinga zinga na yo. Je crois que tu vas commencer à rester dans la maison, fermer la chambre. Na banza ete okoza la ozo vanda na ndako kangi chambre. Pour ne côtoyer personne. Pote omona motote bokutana na mutute. Adonija. Adonija. Regardez. Otala. Ici les choses se passent à Jérusalem. Awa ezo le kanamboka Jérusalem. Le temps de la royauté pour Salomon s'approchait. Ngonga ya bokonzi pona Salomon e bandai kofusana. Je reprends. Azongeli. Le temps de l'accomplissement de la prophétie, de la promesse dans la vie de Salomon s'approchait. Ngonga ya lisakoli. Il y a elaka ponatina bomoi il y a Salomon pote akonza ebandaki kopusana. Pendant que le temps de l'accomplissement de la promesse de Salomon s'approchait, kaka na tango ya tango oyo bokokisami ya elaka ngonga nangwe banda kopusana pona Salomon, il se leva quelqu'un mutumoko ya ibaki na kotelema pour s'opposer. Fwete atelemela likambo ango. Ne t'en faites pas. Ko mitungisa te. Tu auras toujours de l'opposition si tu as une promesse. Ce sont des choses qui arrivent et qui arriveront. Amen. Je m'excuse. Olimbisi. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini le kaki? D'un côté, Nangamo mosusu. Il y a quelqu'un qui se lève pour s'y opposer. Ezana mutumoko atelemi pote atelemi la peli kambango. Il y a Adonija, le frère de Salomon. Adonija ndeko mobali ya Salomon. Il a pris les gens tout autour de son père David. Asangisi batu zinga zinga na ye ya papa na ye Dawidi. Il prend un homme fort. Azui motomoko makasi. Joab. Joab, comme on Joab là, Joab, oyo. C'est le chef de l'armée
de David. Azali mokonzi ya armée ya David. Un grand soldat. Soldat moko ya makasi le nene. Soldat numéro 1. Soldat ya liboso. Dans l'armée de David. Nakati na mapinga ya David. Il le prend. Azuye. Dans son parti. Azuye akomi na ngambo na ye. Il prend d'autres personnes. Azuye batu mususu. Il prend Tchadok, je crois. Azuye Tchadok na banza. Et il est parti avec ces gens-là. Pe akenda ke longo na batu wana. Il leur a dit, ayebisi bango, non, c'est moi qui suis maintenant le roi d'Israël. Na komi mokonzi ya Israël. Ils ont tué des animaux. Baboma ki banyama. Ils ont commencé à fêter. Babanda ki feti. Alors on a crié que Sadoni Jaki est roi. Baganga ki basali makeli. Sadoni Jaki est roi. Adoni jande mokonzi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Salomon. Salomon. Lui ne savait rien. Il y a l'autre. Alors celui qui était tout courant. Moto oya yebaki likamboyo. C'était Nathan. Ezalaki Nathan. Donc Nathan, Nathan, c'est l'homme canal pour Salomon. Azali moto canal pour Salomon. Quand Nathan a entendu l'écho de ce qui s'est passé dans le camp d'Adonija, tango Nathan ayokaki makelele na ngambo oyo ya batu Adonija bazalaki. Nathan est venu voir la maman de Salomon. Nathan ayaki kokutana na mama ya Salomon. Pour lui dire, pona koloba na ye, Batsheba, Batsheba, c'est à toi que le roi David avait dit. Et pas une ayonde, mon conduit David à l'obaki. Que c'est ton fils qui régnera après moi. Et moi, na naya mobile linda kokonza na simananga. Maintenant, c'est Adonija qui s'est proclamé roi. Siko yo Adonija nde ami bengi mokonzi. Toi viens. Yo yaka. Je te donnerai les conseils. Na kopesa yo toli. Là, c'est Nathan qui est en train de parler. Maloba o ezali ya Nathan. Il dit viens. Alobi yaka. Je te donnerai les conseils. Na kopesa yo toli. Je te dirai. Na koloba na yote. Ce que tu dois faire. Oyo esengeli yo sala. Donc Nathan, Nathan, il savait ayebaki ce qu'il faut faire. Oyo esengela ki kosala pour que Salomon devienne roi. Pour être Salomon akoma mokonzi. C'est Nathan qui savait la formule. Nathan de ayebaki lolenga makambo. Pendant que les choses s'empirent. Nathan go makambo ezo beba beba. Pendant que la royauté s'est éloignée de Salomon. Nathan go mokonzi ekimi mosika Salomon. Si tu regardes les choses à l'œil nu. Na miso bo soki otali makambo ango. Tu vois que la royauté est déjà partie. Omoni ete mokonzi si ekimi. Parce que de l'autre côté. Pwete na ngamo mosusu. Ya Adonija déjà. Adonija se aza déjà. On est en train de chanter pour lui. Bazo yembe la ye. On est en train de danser pour lui. Bazo bine la ye. Que il est roi. Et ta komi mokonzi. C'est déjà parti. Mokonzi si ekeyi. Mais la formule. Kasi formule. Pour que Salomon retrouve. Pour que Salomon a retrouvé la royauté. Mokonzi. C'est Nathan qui l'avait. Nathan de azalaki nango. Pour que les choses arrivent. Pour te makambo koma. À s'accomplir. Eko kisama. Dans la vie de Salomon. Bomo ya Salomon. Il fallait que la maman de Salomon puisse suivre les conseils de Nathan. Et sengela ki maman ya Salomon aye bana kolanda toli ya Nathan. Regardez mes frères et sœurs, suivez-moi très bien. Eko basimi bali bolanda nga malamu. Dans la vie, je le dis. Nakati na bomo ina lobi. Si tu as une promesse, soki oza na ilaka, je le répète. Na zongeli yango. Il y a toujours une personne qui sera un canal par qui tu dois passer. Ekoza la tango nyonso mutu. Oyo azali canal tonzela esengeli olekela. Cette personne là peut agir dans le bon ou dans le mal en faveur de toi ou en défaveur de toi. Mutu wana makambo na ye akosala pona bolamu to pona bomabe na yo. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Regardez. Potala. Isaac devant Esaou. Isaac liboso ya Esaou. La bénédiction était pour Esaou. Le pamboli ezalaki pona Esaou. La bénédiction était destinée à Esaou. Le pamboli ezalaki ya Esaou. Le père avait prévu la bénédiction pour Esaou. Tata si abongisaki le pamboli était ezali ya Esaou. Il lui dit va. Alobi kende.
me tuer le gibier. Bomelanga nyama zamba. Prépare-moi un mets comme moi j'aime. Lambelangai elubu lolengenga na lingaka. C'est le papa qui est en train de parler. Papa ndazoloba na maloba oyo. Prépare-moi de la nourriture. Lambelanga bilia. Comme moi j'aime. Lokola na lingaka. Et je te bénirai. Pena ko pambola yo. Pour le père. Bona tata. La bénédiction était pour Esaou. Le pamboli ezalaki ya Esaou. Mais pour Dieu. Ça c'est pour Nzambe. La bénédiction était pour Jacob. Le pamboli ezalaki pona Jacob. Mais comment maintenant? Ça c'est lolenge kanisika. Cette bénédiction. Le pamboli yango. Peut quitter Esaou. Et koki kolonga epaya Esaou. Pour aller vers Jacob. Ouais, te ekoma ekomela Jacob. Il fallait une personne canal. Et singelaki moto nzela azala. La personne canal. Moto canal. Pour Jacob. Pona Jacob. C'était Rebecca sa mère. Ezalaki Rebecca maman na ye. Je croyais que vous alliez dire amen. Amen, amen. Vous pensez à quoi? À vos problèmes? Bon, quand ils s'ennuient, makambo. Les problèmes seront toujours là. Makambo, et aussi la carte aux alakaka. Même si tu t'inquiètes, ça va changer quoi? Ata ou mitongi sinayo, et aux changer ni. Même si tu t'inquiètes, ça va changer quoi? Ata ou s'inquiéter et aux changer. Même si tu pleures, ça va changer quoi? Ata ou leli et aux bongolani. Même si tu refuses de prier, ça va changer quoi? Ata obona o sambela et o changer nini? Mais ce qui peut changer les choses? Kasi o epoli ko bongola makambo. C'est ta foi en Dieu. Ezali kondima na yo kati na Nzambe. Si tu crois? Ce qui ondimi? Que Dieu est capable. Et te Nzambe ana makoki? De te donner solution à ce qui te tourmente là. Ya ko pesa yo e yanu na likambo ezo tungisa yo. Et Dieu le fera. Nzamba o salango. Mais tes inquiétudes? Mitungisi na yo ne te donneront pas de solution. Et kotika la kopeso biyano te. Au contraire. Nzo kande kutu. Tes inquiétudes. Mitungisi na yo ba souci. Vont produire en toi la maladie appelée la gastrite. Et go benda kati na yo maladie ba bengi estomac. Oh, la gastrite c'est une maladie qui coûte cher. Gastrite ezali maladie oyo ezali talo makasi. Et capricieuse. Pe ezana ba caprice mingi. Ça ne prend que du lait. Yango elingaka miliki. Ça ne prend que pas des haricots. Et lingaka madesu te. Pas du pondu. Pondu te. Pas de l'oseille. Ngai ngai te. Pas de piment. Et pas de piment. Pili pili pété. Là ça devient compliqué. Hein? Et comme il passe du sousou. Manger sans le piment. Ozori biloko ozangi pili pili. Je ne sais pas si quelqu'un de la Thaïlande, un Thaïlandais peut manger comme ça. Na évité moto Thaïlande a roulé à bongo. Ou un Indien. Toi Indien. Parce qu'ils prennent trop de piment. Pour te bango balia kapili pili mingi. Ce n'est que chez nous quand quelqu'un veut manger le piment, le docteur va lui dire ne mange pas le piment. Quand il prend la biso. Sous d'autres cieux, je vois les gens en train de manger des piments en cascade et à gogo. Na mikili mususu batu bazo lia pili pili au kanisa bazo. Mes frères et sœurs. Ande konanga ibasi mibali. Si Rebecca n'était pas là. Ce qui Rebecca a la carte. Jacob. Jacob. Ne pouvait pas ce jour-là être béni. Mokolowana a koraye kozwa lipambolite. Est-ce que vous me comprenez? Amen. L'homme canal. Moto canal. L'homme canal. Moto canal. Donc lui, il est là. Yé azaliwana. Donc l'homme canal est là. Moto canal yé azawana. Pour toi. Pona yo. Les choses doivent passer par lui. Makambo esengeli elekela epana ye. Pour que tu vives l'accomplissement. Pour être au vivre beaucoup qui s'ami. Est-ce que vous me comprenez? Ah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Naboyenini lekaki. Rentrons chez Salomon. Tozonge pas Salomon. Nathan le prophète. Nathan Mosakoli. Dira à la maman de Salomon. Akoloba na maman Salomon ete. Viens. Yaka. Je te donne le conseil. Tu vas faire ce que moi je te dirai. Va voir le roi David. Kende monanana mokonzi David. Rappelle-lui. Zongise la ye makambo boye. Est-ce que ce n'est pas toi roi? Ezate yo mokonzi. Qui m'avait dit? Oloba na nga ete. Que mon fils. Ete mwana na nga mobali. Va régner après toi. Akokonda na sima na yo. Mais comment Adonija est devenu roi? Kasi ndenge nini David Adonija si akomi mokonzi. Là c'est Nathan qui est en train de dire à Batsheba. Maloba oyo Nathan da zoloba na Batsheba. Et Nathan ajoute ceci. Mais Nathan alo abatisi ete. Pendant que tu seras en train de parler au roi. Nathan go kaka yo bana ko ye ko lobela mokonzi. Moi je vais entrer. Na pena ko kota. Et je vais ajouter. Pena ko bakisa maloba mususu. Est-ce que vous me comprenez? Amen.
si Bathsheba ce jour-là avait refusé les conseils de Nathan, quel serait le sort de son fils? Si elle avait dit non, le roi ne m'a pas appelé, je n'irai pas. Non, je ne veux pas entrer dans cette histoire. Oui, mais tu ne vas pas entrer dans cette histoire. Mais quelle serait la suite des événements? Alors, tu es là Ozawana, à cause de cela. C'est ce que Yangonde, Mardoché avait dit à Esther. Esther, pendant qu'on voulait tuer le juif, Mardoché est venu voir Esther, la reine. Mardoché a eu na Esther pour lui dire, pour na yete, qui sait nani ayebaki, si tu es là, soki kozala na yo awa, c'est à cause de cette situation. Ezali pona likamweye. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mes frères et sœurs, bande konangai kati na koloba simibali, les choses de Dieu ne se fait pas au hasard. Makambo na nzambe esalemaka na poisate. Tout est calculé. Nyonso nzambe si a calculé yango. Dieu qui t'a fait la promesse, nzambe o asalo elaka, il sait ayebie le lieu, isika le temps, ngonga et l'homme canal, pe moto nzela, il le sait ayebie yango. Amen, amen, amen. Alors, Bathsheba est parti akendaki voir le roi. Kokutana na mokonzi. Il lui a dit: oh roi, ayebisi mokonzi, ne m'as-tu pas promis yo la tanga teke que mon fils Salomon, moi nananga Salomon, régnerait à ta place? Akokonda na sika na yo. Mais regarde maintenant, kasisiko tala, Adonija est devenu roi. Adonija si akoy mokonzi. David même était surpris, David kutu akamwaki, d'entendre yakoyoka ete que son fils Adonija, ete mwana na Adonija, que lui n'avait jamais fait de reproches, oh yatikala kozo na likambote, est devenu roi. Asi akomi mokonzi. Pendant que Bathsheba parlait, Nathan l'homme canal, Nathan mon canal, il est entré à côté qui veut. Il a encore ajouté, fait des commentaires. Ah, bah, si les sous soient tiens, commentaires. Quand le roi a entendu, dango mon conjayo kaki. Alors le roi a dit, na boyo mon conjayo lui. Bon, prenez le sacrificateur. Bozu wanganga nzambe. Allez, et Nathan. Na Nathan yo. Eh Benadja, je crois. Ah Benadja. Alors prenez Salomon. Bonjour Salomon. Mettez-lui sur le trône. Bon, ça y est, na kita bokondi. Et qu'il soit ouin comme roi. Pe bapa kole ma futa bokondi. Et cela fit fait. Pe likambango salamaki. On a ouin Salomon comme roi. Papa kola ki Salomon ma futa bokondi. Par la corne. Nanzela yaliseke. Et Salomon fut proclamé roi. Pe Salomon batatola ki était mokondi. De l'autre côté Adonija. Nanga mususu Adonija. Quand il a entendu, tangwa yokaki, l'histoire là-bas était finie. Les solo et ce qu'elle a qui kapuna. L'homme canal. Moto canal. L'homme canal. Moto canal. Sans Potiphar. Ce qui Potiphar a zalakate. Joseph ne serait pas ce qu'il était. Joseph alinga qui a commenté au zalakate. Il fallait un certain Potiphar. Et singela qui Potiphar moko boyazala. Qui puisse voir Joseph. Amon à Joseph. Et l'acheter comme esclave. Et à son maillet local à le mettre dans sa maison. Atiaye nanda konaye. Comme le chef de toute la maison. Local à Mokondi anda komobimba. Premier homme canal. Moto yaliboso canal pour dans la vie de Joseph. Nakat na bomo ya Joseph. Deuxième personne. Moto ami balé. C'est la femme de Potiphar. Ezali moi ça Potiphar. Il fallait. Et singela kiete. Dans le mal. Nakat na likama mabe. Le mal qu'elle avait conçu en elle, mabe oyo abota kikati na ye, qu'elle puisse pousser Joseph, atindi ka Joseph, à la prison, akota na boloko, dans la souffrance, na kati na pasi minyoko, mais c'était une souffrance, ça sezala ki pasi oyo, qui était à la porte de la gloire, ezala ki na ekuke ya kembo. Est-ce que vous me comprenez? Il y a certaines souffrances dans nos vies. Que personne ne vous trompe. Il y a certaines souffrances dans nos vies. Ça doit venir. Pourquoi? Parce que ces souffrances-là, ça te place à la porte
puissance de la gloire. Sans la souffrance, Jésus ne serait jamais ce qu'il est aujourd'hui. Sans la souffrance, Jésus ne serait jamais ce qu'il est aujourd'hui. Glorifié dans tout, partout dans le monde. L'homme canal. Moto canal motunzela. Dieu dit ceci. Nzamba lobi boye. Dans le texte d'Ésaïe. Nakatna mukana Ésaïe. Et que il prend une personne de très loin. Et azo kamata moto. Utamela musika. Il l'amène. Amemiye. Pour accomplir ses desseins. Bona kokokisa bamiango na ye. Frères et sœurs. Bande koba simi bali kata. Le combat dans notre vie. Bituma nakata mbomo na biso. Ce qui nous fait mal. Oezo sala biso pasi. Ce qui nous désoriente, qui nous trouble. Oyo ebimisa kabiso na nzela oyo trouble kabiso. C'est que on ne connaît ni le lieu ni le temps ni l'homme. Ezali pote toyebaka na bisika te na ngonga te na moto kanale te. Regardez David. Botala David. Avant, quand il avait fui son pays. Yetango akimaki mboka na ye. Pendant que il avait l'onction. Natango ye azalaki na epakwa likolo na ye. Royal. Yabokondi. Il avait la promesse. Azalaki na ilaka. D'être roi. Yakozala nkumu. Il n'était même plus dans son pays. Azalaki kutu na mboka na ye te. Il avait fui son pays. Akimaki mboka na ye. Parce qu'il fuyait la mort. Pweta banako kima liwa. Saoul voulait le tuer. Saoul alingaki aboma ye. Il était dans le pays des Philistins. Azalaki na mboka ba Philistia. Mais quand le temps était arrivé, quand Saoul était mort, quoique il avait l'onction royale sur lui, David n'est pas venu n'importe comment dans son pays, il n'est pas rentré comme ça, non! David azonga lo lenge nyonso pamba te na mboka na ye te. Il avait la promesse, azalaki na ilaka. Mais pour rentrer dans son pays, il est parti consulter Dieu. Est-ce que je dois rentrer dans mon pays? Est-ce que Dieu lui a dit oui, rentre. Il pose la deuxième question. Dans quelle ville dois-je aller? Dieu lui dit, va à Hébron. Regardez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont voyagé. Dieu lui a dit dans la promesse, tu vas habiter à l'étranger. Comme lui, il a eu la promesse. Il a fait des démarches. Il a quitté la RDC. Il est parti en France. Est-ce que le lieu que Dieu t'avait dit, le pays étranger là, c'est la France? Les problèmes aujourd'hui avec les gens, ils ne retournent plus chez Dieu avant de faire des démarches pour aller poser la question à Dieu. C'est quel pays? Non. Comme il a déjà la promesse, qui va habiter à l'étranger, pour lui, il croit que c'est de n'importe quel pays. Non. Il y a un pays bien fixé comme le lieu choisi par Dieu. Il y a des gens qui sont en France, qui ne sont pas dans le lieu prévu par Dieu. Jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Ils ne vont pas travailler. Ils n'auront jamais de documents. Ils ne seront jamais heureux dans leur vie. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas le lieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que le lieu où tu te retrouves, est-ce que c'est le lieu qu'il faut? L'université là où tu te retrouves, campus, université, bisika, est-ce que c'est le lieu de tes études? C'est là où il y a le problème. Vous savez, si Dieu pouvait siffler et pour refaire les choses dans la vie des gens, beaucoup de gens ne seront pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et beaucoup de gens ne vont pas se retrouver dans les lieux où ils sont aujourd'hui. Mais maintenant, dans le cadre du combat spirituel, suivez-moi. Qu'est-ce que le monde des ténèbres fait? Suivez-moi. Si le monde des ténèbres détecte, et que toi tu as une belle promesse, et qu'il voit s'approcher déjà l'homme canal,
ete bazo mona ete mutu o azali kanal azo pousa na de la bénédiction pour toi s'approche. Le pambo li pona yo ezo pousa. Il voit cette personne là, c'est l'homme canal pour celui-ci. Amone ete moto wana azali moto canal pona oyo. Le monde des ténèbres, qu'est-ce qu'il fait? Mokila mulili basala kanini. Ils vont t'envoûter toi. Bakoloka yo. Ils vont éloigner l'homme promesse là. Bakoko misa moto o azali elaka wana. Et ils vont préparer leur homme canal à eux. Moto canal wana bakoko mise mosika bango bakobongisa moto canal o ya bango. Pour le mettre à tes côtés. Bacha ye pembeni na yo. Pour t'induire maintenant en erreur. Pona kokamba yo na kat na bozoba. Ça se passe comme ça. Elekaka bongo. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens na yango ba Christ ebele. Comme ils n'ont pas consulté Dieu. Ils ne sont plus retournés vers Dieu. C'est pourquoi ils échouent aujourd'hui. Regardez. Dieu peut te dire ceci. Prenons une sœur. Dieu te dit. Ma fille. Je vais te donner un bon mariage. L'homme qui va te marier, il aura beaucoup d'argent. Alors beaucoup d'argent. Pourquoi je te donne ce mariage? C'est pour que par toi, que tu puisses consoler ta famille. Et deuxième chose, c'est pour qu'avec cet argent, que ton mari te donnera, tu vas soutenir l'œuvre de Dieu et mes serviteurs. Là, c'est Dieu qui dit à une sœur. Maintenant, un homme vient, dans ta vie, il a l'argent. La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est cet homme dont Dieu m'avait dit? Mais beaucoup de nos sœurs ne posent plus cette question-là. Elle va accepter oui. Après tu me l'amènes. Si tu as déjà dit oui là-bas, là-bas tu as accepté. Si tu m'amènes un tel homme, je ne dirai jamais non. Je dirai oui. Et tu as déjà dit oui. Mais si tu viens me consulter avant de dire oui et que tu viens me poser la question, me consulter, je te dirai ce que tu peux lui dire. Mais tu as déjà dit oui. Vous avez déjà fait des mois. Vous avez fait déjà des semaines. Tu viens me poser la question, je te dirai ok. Reste avec lui. Zala na ye. Et tu vas te mettre la corde au cou. Regardez, c'est une mauvaise chose dans la vie de se retrouver à côté d'un homme qui n'est pas le canal de ta vie, qui n'est pas l'homme de ta vie, qui n'est pas la femme de ta vie. Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas heureux. Pourquoi? C'est pas que ils se retrouvent attachés, liés par le lien du mariage, par des hommes ou par des femmes qui ne sont pas le canal de bénédiction pour eux. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Que Dieu fasse quoi? Tu vas prier, tu vas gêner, mais tu continueras à pleurer dans ta vie. Les pleurs ne finiront jamais dans ce mariage-là. Jouez avec tout, mais ne jouez jamais avec le choix du mariage. Je vous ai toujours dit, il y a des choses, il y a des choses sur la terre qui demandent un choix très minutieux. Un choix sérieux. Le premier choix à faire sur la terre que l'homme doit faire, doit prendre au sérieux, c'est de choisir
Yakopona. Ou Jésus-Christ. Toi, Jésus-Christ. Ou le diable. Toi, Satana. Si tu choisis Jésus, c'est pour la vie éternelle. Mais si tu choisis le diable, c'est pour la mort éternelle. C'est le premier choix à faire. Tu as choisi qui? Oui, tu as choisi Jésus. C'est très bien pour toi. Le deuxième choix, c'est le choix du mariage. Tu dois choisir qui? C'est pour vivre heureux. Ou c'est pour vivre dans le malheur. Alors il ne faut jamais faire de la blague. Je vais vous dire ceci. Mes frères et sœurs, il faut prier dans ta vie pour que l'homme canal de ta vie, qu'il se retrouve toujours à côté de toi. Il faut toujours déclarer que tu ne t'éloignes pas de l'homme canal de ta vie. Je veux que quelqu'un puisse répéter après moi. Il est écrit. La mort et la vie. Sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime. En mangera le fruit. Je déclare. Dans ma vie. À côté de moi. Ne peut se placer. Que la femme canale. L'homme bénédiction. Au nom de Jésus. Toute personne. Qui n'est pas le canal. De ma bénédiction. J'ordonne maintenant. Au nom de Jésus. Qu'il quitte. Près de moi. Qu'il s'éloigne. Près de moi. Au nom de Jésus. L'homme canal, c'est compliqué. Moto canal et ali passi boyeba. Il y a toujours un homme canal. Ezaka toujours moto canal. Pour que tu viennes prier dans une église. Pour être oyako sambe la église moko. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a un homme canal. Ezaka moto canal. Par qui tu peux passer? Wapi okolekela. Pour te retrouver. Pour être omikuta. Comme député. Local député, comme sénateur. Local sénateur. Comme PDG. Local PDG. On se tient debout pour prier. Tout le monde est là. Tout le monde est là.